La formation du CPRA, et c'est important, a été acquise et réellement mise en place le 9 septembre 1958. À partir du 9 septembre 1958, le CPRA, dans sa constitution telle qu'elle est connue, était déjà prêt. Était prêt. Oui. Restait la question dans quelles conditions annoncer et on, où. On a annoncé au Caire, finalement. Au Caire, à Tunis et à Rabat. Et à Tunis et à Rabat, oui. Bon, c'est important. Oui. Bon, au Caire, c'est Mohamed Yazid, ancien délégué du FLN aux États-Unis, et désigné ministre de l'Information, c'est lui qui annonce la création et la composition. Et ensuite, à côté de lui, il y avait le président Abbès qui fait sa première déclaration en tant que président du CPRA. Moi, je retire de la déclaration d'Abbès au moins un énoncé essentiel. Parce que quand on dit le CPRA, on va faire un petit exercice. CPRA, le GP, c'est quoi? Comme gouvernement? Provisoire. D'accord. C'est important. C'est la première partie de l'énoncé politique. Ouais. Eh bien, moi, je dis que la deuxième partie de l'énoncé politique est encore plus importante c'est que la première. C'est la République algérienne. C'est la République algérienne. Et que dit Abbès? Que dit Abbès dans sa première déclaration? Que le GPRA, c'est le symbole de la restauration de l'État algérien violenté par la colonisation. C'est une restauration, c'est pas Ah oui, non, état. Mais c'est dans la déclaration. Ouais. Donc, et à partir de là, même sur le plan du droit international et du rapport. La France, par exemple, très rapidement, dès que l'information est sortie, elle a mis en garde, par le biais de la presse autorisée en France à l'époque, elle a mis en garde les chancelleries étrangères de la reconnaissance de ce gouvernement qui, de son point de vue, ne représentait pas. Et c'était quel pays qui a reconnu en premier? Non, alors, bon. La première vague, il y a eu 17 reconnaissances, entre autres, bon, l'Irak, la Chine populaire, très rapidement, bon, l'Irak, le Vietnam, au bout du compte, il y aura 35 États qui vont reconnaître le GPRA. Et il faut attirer l'attention sur cet aspect. Le FLN, par le biais du GPRA, dit, nous sommes le gouvernement de la République algérienne que vous avez violenté. Oui. L'Algérie, le territoire algérien relève de notre compétence, les populations algériennes relèvent de notre autorité.